copain fréquent. Ah oui, c'est ça. Refoule. 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 Oh, il y a Gilles. Allez, on refoule 15 mètres. Refoule. 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 Allez, refoule pour 10 mètres. Refoule. Refoule 9 mètres. Refoule. Refoule pour 8 mètres, refoule. Pour célébrer la fin du dépôt du Charolais le 10 décembre, était organisée une exposition de locomotives durant 3 jours. Ces machines, venues de tout le réseau, représentaient toutes celles qui ont fréquenté l'établissement depuis plus de 160 ans, lors de sa conversion à la traction électrique. Quelques mois plus tôt, les bénévoles d'AFCL travaillaient d'arrache-pied pour finir la restauration de la 2D2 9135, première locomotive électrique du site de Paris-Sud-Est. Dans l'après-midi du 8 décembre, la machine est sortie de sa remise pour être raccordée au train de machines venu de Chambéry et attendu dans la soirée. La nuit tombe sur le triage lorsque le train de machine venu de Chambéry refoule sur la 2D2. Ce train de machine partira à 19h vers le chantier de Villeneuve-Saint-Georges où il passera la nuit.
Le lendemain, toutes les machines venues à VSG ont été mises dans l'ordre d'exposition et dirigées sur le faisceau de Bercy pour être refoulées en gare. La SNCF n'ayant pas autorisé les machines à venir en traction. Refoule 7 mètres, refoule 6 mètres, refoule, allez 5 mètres, refoule, allez encore 4 mètres, refoule, refoule pour 3 grands mètres, refoule, c'est mesurable, allez on refoule pour 2 grands mètres, refoule. Je m'arrête au passage. Allez, encore un mètre. De large pour les photos. Ouais. Refoule. Voilà. Allez, tu ralentis. Voilà. Bah, allez, tu peux t'arrêter cet appareil. Stop. Les machines sont refoulées en gare. La 2D2 vedette de l'exposition est placée côté butoir. Durant 2 jours, elle recevra des centaines de visiteurs et des milliers de photos seront prises. Les voyageurs et anciens cheminots ont affirmé leur attachement au patrimoine ferroviaire. Mesdames et Messieurs, nous allons...